le 10 novembre 1920, la guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée, puis plus que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, chaque village, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui est aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y rentre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec les millions de ses confrères d'armes, ceux dont les immortalisait le souvenir héroïque et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Le 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. D'observer une minute de silence. Deschamps Henri. Mort pour la France. François Marc. Mort pour la France. Jardinier Ernest. Mort pour la France. Jardinier Émile. Mort pour la France. Jardinier Gabriel. Mort pour la France. Joyeux Marceau. Mort pour la France. Joyeux Samien. Mort pour la France. Carinthy Henri. Mort pour la France. Lemoule Clébert. Mort pour la France. Michel René. Mort pour la France. Oudo Georges. Thank you.
Parce que c'est en fait c'est un soldat qui est revenu